Bonsoir à toutes, bienvenue à Créteil, le Palais des Sports. Robert Houbron nous accueille en ce mardi soir pour un match en retard de la sixième journée du championnat de Lidl Star League, avec la rencontre entre Créteil et Chambéry. Merci. Au cœur du handball français avec Lidl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Créteil, le Palais des Sports. Robert Houbron nous accueille en ce mardi soir pour un match en retard de la sixième journée du championnat de Lidl Star League avec la rencontre entre Créteil et Chambéry. Initialement, une rencontre qui aurait dû se tenir le week-end du 23 octobre dernier. Il aura donc fallu attendre cette journée de décembre pour voir cette affiche de championnat. Créteil qui reste sur une défaite lors de sa dernière rencontre. C'était jeudi soir en Bretagne sur le parquet de Cesson-Rennes. Score final 30-33 en faveur des Bretons. Chambéry également a été défait pendant son dernier match et même une claque reçue à Montpellier, c'était vendredi soir sur LNHTV. Score final 42-27, même si la défaite est logique, c'est un score qui peut faire mal à la tête des Savoyards, donc on suivra leur réaction ce soir. Donc je vous le disais, la sixième journée de Lidl Star League qui s'est jouée en octobre avec Aix-Ivry qui a également été reportée. Sinon, pendant cette journée, on a pu voir les victoires de Toulouse, de Dunkerque, du promu Limougeaux, de Nîmes également, de Paris à Tremblay et puis de Montpellier face à Saint-Raphaël. Et donc cette affiche là actuellement, Créteil-Chambéry, qui va démarrer dans quelques petites minutes ici au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil. Au classement, ça nous donne évidemment le Paris Saint-Germain en tête avec 10 matchs, 10 victoires, 20 points.
Montpellier suit Limoges également, le surprenant promu qui est à la troisième place de ce classement. Et pour nos équipes qui nous intéressent ce soir, Chambéry est à la 11e place avec 6 points, 3 victoires. Et de son côté, Créteil pointe 14e du classement avec 3 matchs en moins. Vous le voyez par rapport à des équipes par exemple comme Limoges hein, qui a joué tous ses matchs. Créteil donc moins 3 matchs et 4 petits points. Je vais y arriver. Voilà, donc ça c'était le classement de cette Lidl Star League. On va avoir également les compositions des deux équipes, à commencer par les Cristoliens avec Dylan Soyer, Emeric Anzuini, Valentin Hamann, Johan Gibelin, Romain Molinier, Jonas Poignant, Guinel Pintor, William Benezit, Boyba Sissoko, Loïc Diarasuba Calves, Michael Robin, Felipe Borges, Samuel Dean, Lucas Ferrandier et Kylian Rigaud qui vont donc composer l'effectif de Créteil pour ce match. Et du côté savoyard, on a l'équipe de Chambéry qui s'affiche avec Nicolas Portner, il y aura Léonal également, Kaido Traoré, Alexandre Trita, Lars Nielsen, Benjamin Richert, Noah Trémet, Gerdas Babarskas, Antoine Tissot, Pierre Paturel, Demis Grigoras, Julien Meyer, Alejandro Costoya, Yos Ugoni, Arthur Anctil et Jean-Loup Faustin. Voilà pour donc l'équipe chambérienne de cette rencontre de Lidl Star League. Alors si on fait un petit peu le bilan des deux clubs, Créteil est 14e, seulement 2 victoires en 8 matchs, 6 défaites pour les Cristoliens qui ont également une des moins bonnes attaques du championnat, mais une défense un petit peu plus hermétique. C'est la 6e défense de Lidl Star League. De son côté, Chambéry a aussi un petit peu de mal hein, dans cette édition 2020-2021. Avec une 11e place seulement, 8 matchs joués également, 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Mais attention, puisque ça se passe mieux à l'extérieur hein, pour les Savoyards qui n'ont enregistré qu'une défaite depuis le début de la saison. Et le bilan est à l'avantage aussi, entre les deux clubs, à l'avantage donc des Chambériens, avec 13 victoires face aux Cristoliens, 4 nuls et 6 matchs remportés par Créteil. La dernière rencontre entre les deux équipes était il y a un petit peu plus d'un an, c'était le 6 novembre 2019, ici même, sur un score de 25 partout, match nul. Et attention, pour la petite anecdote, ça fait plus de 11 ans que Chambéry ne s'est plus imposé ici à Créteil. La dernière fois, c'était le 25 octobre 2009. Ça remonte, mais c'est vrai qu'entre-temps, Créteil était descendu en Pro League. Les meilleurs buteurs des deux clubs pour l'instant pour Chambéry, c'est le Strasbourgeois Benjamin Richert avec ses 53 buts hein, qui brille dans l'effectif savoyard avec 69% de réussite. À Créteil, Antoine Ferrandi a marqué 29 buts depuis le début de la saison. Le demi-centre, lui, est à 58% de réussite face aux cages. Et les gardiens avec Michael Robin à Créteil qui a réalisé 47 parades, un pourcentage d'arrêt de 28%. À Chambéry, Nicolas Portner en est à 46 arrêts et 24%. À l'image, vous avez vu Valentin Hamann, le Cristolien, pour le coup d'envoi qui sera donné dans moins de 2 minutes ici au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil. Les arbitres de cette rencontre seront messieurs Mourad Bounouara, Richard Taubier et l'arbitre délégué sera Jean-Claude Denis. Et un bonjour aussi à tous les supporters cristoliens et chambériens qui nous rejoignent dans les commentaires sur le YouTube LNH TV pour ce match que vous allez suivre en intégralité, en direct et gratuitement sur YouTube. Et c'est parti donc à l'instant pour ce coup d'envoi de cette rencontre de la 6e journée de Lidl Star League, match en retard entre Créteil et Chambéry, avec une première balle dans les mains cristoliennes. Et le premier arrêt pour le gardien chambérien Nicolas Portner, le Suisse. Il y a eu une faute au préalable, donc la balle reste dans les mains cristoliennes. Avec cette fin de tir, attention. Et le premier but pour Créteil, l'ouverture du score. Elle est signée, l'incontournable Boyba Sissoko. Et le gardien cristolien qui répond. Présent également sur cette première intervention de la soirée pour lui. Première intervention de Dylan Soyer.
Mais malheureusement, son coéquipier Robin Molinier va sortir pour 2 minutes. Après une faute. Créteil déjà en infériorité numérique après 1 minute de jeu seulement. Allez, peut-être une occasion d'égaliser pour les Savoyards. Oh, la mauvaise passe. Il a tenté de trouver Jean-Loup Faustin. Allez, la remise en jeu avec Dylan Soyer. Et les Cristoliens qui vont évoluer à 6 en attaque avec la cage vide. Fait tourner, on tente une ouverture, c'est trouvé sur l'aile gauche et le poteau. Et derrière, évidemment, avec le but vide, Dylan Soyer n'a pas eu le temps de revenir dans ses cages. Et c'est Chambéry qui égalise dans cette rencontre un partout. L'option offensive prise par les Cristoliens n'a pas été payante sur cette action. Un petit peu de mouvement et derrière ce tir un petit peu trop sur Nicolas Portner, le portier chambérien. Ah, c'est bien joué sur l'aile droite avec ce but pour Benjamin Richert, l'ailier droit de 22 ans qui vient de marquer à l'instant son premier but de la soirée, son 54e but de la saison. Il en est à 70% de réussite. Lui qui avait d'ailleurs intégré le centre de formation de Créteil en 2016, avant d'y faire ses débuts avec les pros en Lidl Star League, mais aussi en Pro League. Et il est à Chambéry depuis 2018. Donc évidemment, c'est un match particulier pour lui qui retrouve son ancien club. Petit check au niveau de la table de marque. Apparemment, il y a un problème avec le panneau d'affichage. En tout cas, c'est sûr, il y a bien 2-1 pour Chambéry face à Créteil. Et on en est à 2 minutes 52 de jeu. Alors, 3-0-9, est-ce que c'est la bonne durée? Moi, en tout cas, j'ai 2 minutes 52 qui s'affichent. Évidemment, une coupure là comme ça en tout début de rencontre. On voit les joueurs qui s'échauffent encore un petit peu. Ils sont pas totalement chauds. Donc c'est bon, ça peut repartir. Et c'est bien donc 3 minutes 09 hein, qui sont officiellement sur le tableau d'affichage. On va mettre aussi à jour de notre côté.
Une grosse défense, mais une faute évidemment. Une faute subie par Felipe Borges. Et Sissoko, jeu de 7 mètres. C'est but pour Boyba Sissoko, qui a remporté son duel face à Nicolas Portner. Boyba Sissoko, quel joueur quand même. Hein. Avec 31 buts pour lui déjà cette saison. Il en avait mis 4 à Cesson Rennes lors du dernier match des Cristoliens. Lui qui est formé au club hein, comme demi-centre. Ensuite, il est passé à l'aile. Et puis voilà, il est plutôt polyvalent. Hein. Le local aussi de l'étape, il est né dans le quartier des Sablières à Créteil. Attention, on a failli perdre la balle. Et apparemment, la faute subie qui ne plaît pas du tout aux Cristoliens. On a vu Boyba Sissoko contester. Voilà, belle passe au pivot. C'est but. Avec Pierre Paturel. L'âme de ce club savoyard, lui qui est né juste à côté en Haute-Savoie. Il a fait toute sa carrière pro à Chambéry. Pierre Paturel qui a donc marqué son premier but de la soirée ici à Créteil. Avec Chambéry. Allez, un nouveau jet de 7 mètres hein, pour Sissoko. Il avait réussi le premier. Et le deuxième également. 2 sur 2 au pénalty. Et les 3 buts de son équipe ont été marqués par lui-même. Sissoko 3. Chambéry 3. Ah, c'est bien joué, une belle action. Très bien conclu par Chambéry avec son numéro 4, Alexandre Trita. La parade de Portner. Ah, il est mal retombé là. Hein. Le Cristolien. Yarasuba Calves là qui s'est fait mal. Ouais, ça va aller hein, pour Loïc Dirasuba Calves. Qui va quand même retourner s'asseoir sur le banc. On va suivre son état de forme au fil du match.
Allez, une occasion pour Chambéry de prendre deux buts d'avance dans cette rencontre, peut-être Jean-Loup Faustin qui a subi la faute. Ouais, deux minutes logiques hein. Pour Guinel Pintor. Lui qui a été formé à Célestat. Et à Créteil depuis 2014. Il a bien été trouvé cette fois-ci, encore une fois, Pierre Paturel. Laissé un petit peu seul par la défense cristolienne. Bon, ça va vite. Et encore une grosse faute subie. Ah, il y aura deux minutes aussi, hein. Avec Trita. Qui laisse donc ses coéquipiers à 6 contre 6, puisqu'on vous rappelle que Pintor également est sorti depuis 30 secondes pour Créteil. En tout cas, dans ce palais des sports Robert Aubron, on met l'ambiance. Le speaker est chaud. À défaut d'avoir du public, on a de l'ambiance avec la musique. Et les staffs des deux clubs qui donnent de la voix également. Évidemment, c'est pas pareil hein, qu'avec le public. Mais en tout cas, vous êtes présents là sur LNH TV pour suivre cette rencontre. Salut à tous les supporters cristoliens et chambériens. Sur l'aile. Il était stoppé par la défense de Créteil. Benjamin Richert qui a donc obtenu un pénalty pour son équipe avec Jean-Loup Faustin. Dommage là pour le gardien de Créteil, Soyi qui était sur cette balle. Allez, il peut s'en vouloir. Peut-être la main pas assez ferme ou alors tout simplement le shoot qui était trop puissant pour être arrêté. Attention derrière, Créteil qui prend un bel avantage. Chambéry, pardon. Pourquoi j'ai dit Créteil? Non. Je suis perdu. Non, oui, c'est bien. Oui, c'est bien un but de Créteil. Je sais pas pourquoi j'ai... Allez, Jean-Loup Faustin. Ah, il ne les manque pas celle-ci. Hein.
Voilà, j'ai été perturbé par le score parce qu'il y a 7-3 pour Chambéry. Donc on va mettre à jour aussi l'affichage. Voilà, c'est fait. Merci aux équipes techniques. Ce shoot lointain là qui a trompé le gardien chambérien avec Robin Molinier. Et attention, la contre-attaque, peut-être pour revenir à moins 2, c'est fait avec ce nouveau but pour Créteil, inscrit par Felipe Borges, le Brésilien. Son premier but ce soir. Son huitième de la saison. Oh, la belle parade. Ah, il s'est bien couché là. Dylan Soyer sur cette tentative de Babarskas. Encore une fois, cette fois contré. Oh, il est chaud là, ça y est. Soyez chaud sur cette tentative de Paturel. Et alors qu'on a vu le shoot à mi-hauteur de Sissoko. Avec le gardien chambérien qui a répondu présent également. Et Créteil qui revient à un petit but. Que Chambéry s'était donné un petit peu d'air. Créteil de retour dans cette partie. Et oui, Thomas Robin, je me suis trompé d'équipe, effectivement. C'est un drame, je sais. Mais comme je le disais, j'ai été perturbé par le score qui n'était pas à jour sur le tableau d'affichage. Et je sais reconnaître quand même Chambéry en noir et Créteil en blanc. Ou alors je demande des lunettes à Noël, hein. D'accord. Allez, retour au jeu avec Paturel. Et Richert, je le jette 7 mètres. C'est bon. Tentative lointaine là. C'était Dira Souba qui est donc de retour hein, sur le terrain après avoir subi ce coup. Et derrière, attention!
Attention la contre-attaque, ouais, ouais, avec le but vide évidemment. Et cette fois-ci c'est bon, Créteil revient à un but. Cette fois c'est validé. C'était puissant. Il n'a pas trouvé le 4 de Dylan Soyer. Et sur l'aile droite, Créteil qui égalise à 8 partout. Avec ce joli but de Bénézit. Ancien Chartrain. Chartres avec qui il a marqué 18 buts la saison passée. Alors je vais faire un petit tour aussi sur le commentaire du chat YouTube. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, il y a eu le but refusé pour Créteil. Je n'avais pas vu la zone. Mais pour vous expliquer comment ça se passe, j'ai 36 feuilles devant moi. J'ai 3 écrans. Donc, des fois, dans le feu de l'action, on ne voit pas tout ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est bien, vous étiez attentifs pour corriger. Et la prochaine fois, effectivement, je fais attention à ça. Mais là, le score, c'est bon. C'est bien 8 partout pour... entre les deux équipes, Créteil qui est donc revenu dans la partie. Très équilibré aussi hein, les statistiques avec 14 tentatives de chaque côté. Quatre pertes de balles également pour les deux équipes. Chambéry peut-être pour reprendre l'avantage dans cette partie. Oh, soyez là, il est en feu ce soir. Qui vient de réaliser sa cinquième parade de la soirée. D'arrêt pour le gardien cristolien qui va peut-être avoir une nouvelle occasion de briller là sur cette offensive qui s'amorce pour les Savoyards. Un mauvais espace, dommage. Ça reste dans les mains chambériennes. Oh, le shoot de loin là. En puissance pour Alejandro Costoya.
un petit peu forcé son tir là. Robin Molinier. Tire long sans problème pour Nicolas Portner. Ah, c'est dommage, là il y avait une belle action hein, pour Créteil avec cette belle passe sur l'aile droite. Et le gardien suisse qui est bien resté vigilant. C'est dommage, il y avait un bon coup à jouer là pour Créteil. C'est parti vite en contre, mais derrière on n'a pas trouvé la solution pour tenter un tir. La balle récupérée par les Chambériens qui ont l'occasion de reprendre 2 buts d'avance avec Goni. Et non, Pavarskas qui a buté sur Dylan Soyer. Allez, les deux gardiens qui se répondent bien vraiment dans cette partie. Et il suffit de dire ça pour que Nicolas Portner soit trompé par l'incontournable, l'inévitable Boyba Sissoko. Tiens, le commentaire aussi de KM30 là sur YouTube. Portner bien dire que Canaille l'avait relayé à 3e gardien l'année dernière à Montpellier. C'est vrai qu'il est venu chercher du temps de jeu ici à Chambéry. Après une saison compliquée dans l'Hérault, il n'avait joué que 3 matchs la saison passée, même si c'est vrai que la saison a été arrêtée en cours. 3 matchs, c'est peu pour cet excellent gardien. Le jet de 7 mètres réussi pour Benjamin Richert. 3 sur 3, dont 2 sur penalty. Il soigne encore ses statistiques, hein, les droits de 22 ans. La tentative de Kylian Rigaud. Peut-être une nouvelle fois. Non, la passe est derrière la perte de balle avec Richert qui la met au fond. 11-9 pour Chambéry. C'était compliqué ça. Il y avait une grosse défense chambérienne. Il a tenté d'y aller seul, Babarskas.
fois bien défendu. Bien surveillé par Gibelin. Et derrière, Créteil qui peut repartir. Oh, quelle parade! Ah, celui-là, il est magnifique, cet arrêt hein, de Portner. En feu! Et il vient de réaliser son huitième arrêt de la soirée. C'est quasiment autant que lors de son dernier match à Montpellier. Face à Montpellier, il avait réalisé 9 parades sur 38 tirs subis. Et ouais, Chambéry qui prend cet avantage de 3 buts avec Benjamin Richert. Aussi incontournable à Chambéry que ne l'est Boyba Sissoko à Créteil. Tous les deux sont à 5 buts ce soir. La belle passe, il a bien été trouvé. Et encore une magnifique réponse de Portner. Qui a failli permettre à son équipe de conclure une attaque rapide et de prendre 4 buts d'avance. C'est pas encore fait peut-être sur cette offensive pour les Savoyards. Oh, la transversale. Trouvé par Costoya. Encore une fois, Portner qui dévie sur son poteau. Et Chambéry pour le plus 4, non. Toujours pas. Peut-être une nouvelle chance pour Créteil avec Sissoko. La grosse défense de Barbarskas. Ouais, Laurent qui dit en tout cas 55% d'arrêt pour Nico Portner. Et bah c'est même 58% maintenant depuis sa dernière intervention. 11 sur 19 ce soir. Exceptionnel. On voit rarement des mi-temps de gardiens de ce niveau. On espère pour lui et pour les Chambériens qu'il va continuer sur ces bases-là dans les 32 minutes 40 restantes à jouer dans la rencontre. Alors qu'un temps mort a été demandé dans cette partie. Et Chambéry donc qui a un petit avantage de 2-3 buts ici à Créteil. Les Cristoliens qui vont devoir batailler, surtout trouver des solutions face au portier suisse de Chambéry. Ouais, parce qu'on voit hein, sur les statistiques, Créteil a tenté sa chance 24 fois, 22 pour Chambéry. Donc c'est là qu'on voit que quand vous avez un gardien en feu, là c'est facile de prendre l'avantage. Et c'est toujours équilibré au niveau des pertes de balles, hein, avec 6 pertes de balles de chaque côté.
Allez, Créteil à l'offensive. Et encore une fois, Sissoko qui bute sur Portner, qui dévie du bout des doigts ce tir sur son poteau. Voilà, belle passe au pivot. Avec dans la foulée la roucoulette de Pierre Paturel. On a encore essayé de prendre un tir forcé pour Créteil. Cette fois-ci, c'était Johan Giblin. Sissoko qui a bien trouvé. La passe était sublime pour Poignant. On a eu ce toucher de balle pour Boyba Sissoko. Et 3 sur 3 pour lui. Au pénalty. Allez, une des dernières tentatives, si ce n'est la dernière, pour Chambéry. Dans cette mi-temps. Et ce sera finalement pour Créteil, la dernière peut-être pour revenir à deux buts d'écart. On portait encore une fois. Et finalement Chambéry aura le mot de la fin sur cette première mi-temps. Avec Benjamin Richert qui marque son sixième but ce soir. Alors non, le but de Benjamin Richert n'a pas été accordé, c'est ce que j'étais en train de regarder justement. Donc on en reste à 13-10 pour Chambéry ici à Créteil à la mi-temps de cette rencontre. Match en retard de la sixième journée du championnat de Lidl Star League. Ça va être compliqué pour les Cristoliens qui tombent sur un gardien exceptionnel. Avec Nicolas Portner qui en est à 59% d'arrêt. 13 au total sur 22 tirs subis. Donc on va suivre ça dans les 30 prochaines minutes. On se retrouve pour la deuxième mi-temps ici à Créteil pour la rencontre entre Créteil et Chambéry. À tout de suite.
deux ateliers avec Select ce matin, un avec les entraîneurs, un avec les capitaines. Le contenu qu'on va récupérer sur ces deux ateliers doit nous permettre de sortir des éléments que l'on veut intégrer dans le design du ballon de l'année prochaine. Les contrastes, c'est bien sur les deux contrastes. Mmh. Alors c'est une base marine et rouge. Je préfère celui-là. Il doit s'amuser quand même en duo. En mode. Plaisir, explosivité. Le respect des consignes du coach, le respect de l'adversaire et respecter aussi le ballon. Savoir en faire quelque chose de bien pour ses partenaires. Le ballon, c'est le seul élément qui relie les joueurs. Cette notion-là, pour moi, elle est essentielle. Le ballon, La couleur, je la trouve mieux. Le ballon, je préfère quand il est clair. Mieux que celui-là. C'est à choisir, je préfère celui-là. Au cœur du handball français avec Lidl. On est de retour ici au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil pour ce match en retard de la 6e journée du championnat de Lidl Star League. La rencontre entre Créteil et Chambéry. Alors vous le voyez, le score est bien de 14 à 10 pour Chambéry ici à Créteil. Finalement.
sera aussi le diffuseur officiel du championnat d'Europe féminin en décembre et du championnat du monde masculin en janvier. eSport, la plus grande offre de handball. Retrouvez toute l'actualité, les lives, stats, vidéos de la Ligue Star League sur LNH.fr et sur l'application LNH disponible sur iOS et Android. Lidl, le prochain de la maison. Voilà donc pour les ralentis de cette première mi-temps, ce que vous avez peut-être raté dans cette rencontre entre Créteil et Chambéry. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, donc on va démarrer les 30 dernières minutes dans quelques secondes ici au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil. Le match en retard de la 6ème journée de Lidl Star League. Créteil 10, Chambéry 14. Et alors si vous n'étiez pas avec nous, vous avez raté la très grosse première mi-temps du gardien de Chambéry, Nicolas Portner. 59% d'arrêt, 13 sur 22. Vous avez peut-être aussi raté l'excellente performance comme d'habitude de Benjamin Richert avec 6 buts sur 7 tirs, 86% pour lui. Et Benjamin Richert, oui, avec un T. Et comme il est strasbourgeois, alsacien, on prononce le T. Pour répondre aux commentaires de Gilbert sur le chat YouTube. Et pour Créteil, on peut mettre en avant aussi la plutôt bonne performance de son gardien, Dylan Soyer, qui a subi moins de tirs, hein. Il faut le dire aussi que Nicolas Portner, avec 19 tirs subis, 6 arrêts pour lui, 32%. Et puis, comment ne pas parler de Boyba Sissoko, qui en est à 6 sur 9 ce soir, 67% pour lui, 6 buts. Pour le numéro 18, Cristolien, l'enfant du club, l'enfant de Créteil, qui va certainement encore briller dans ces 30 prochaines minutes. Et en tout cas, son équipe en aura bien besoin, puisqu'elle est en retard de 4 buts. Commentaire de Christine, ne rien lâcher, allez la team. Évidemment, supporter chambérienne. World Apprentissage, allez Créteil. Mikoutz qui nous dit le phare nous manque. Évidemment, supporter chambérien, évidemment que le phare ça vous manque. J'espère pouvoir retrouver tous les supporters, tous les amoureux du handball dans les salles françaises au plus vite. On parle de janvier, hein, notamment pour d'autres sports avec des stades en plein air. Alors qu'en sera-t-il des salles fermées comme au handball, au basket? Affaire à suivre. En attendant, vous avez 5 matchs par journée à suivre en intégralité sur LNH TV. Et 3 sur Bein Sport, dont cette rencontre qu'on aurait dû voir, hein, je vous le rappelle à la base, c'était fin octobre, hein, que cette rencontre était prévue. Allez, coup d'envoi dans quelques secondes. Chambéry qui va peut-être enfin s'imposer ici à Créteil, hein, puisque la dernière victoire des Savoyards était le 25 octobre 2009.
vu Mourad Bounouara, l'arbitre de cette rencontre à l'image. Et c'est donc reparti pour ce match entre Créteil et Chambéry. 10 pour les Cristoliens, 14 pour les Chambériens. Avec une première balle dans les mains savoyardes. Allez, Trita. On va revenir à la faute. Sur cette tentative d'Alejandro Costoya qui va peut-être reprendre sa chance. Non, la feinte et Trita derrière. Qui a bien ajusté le portier cristolien Dylan Soyer. On est reparti sur les mêmes bases qu'en première mi-temps avec encore un problème d'affichage sur le tableau du Palais des Sports. On a eu exactement le même souci en début de première mi-temps. Évidemment, il y a plus de 6 secondes qui se sont écoulées, hein, comme vous les avez vus à l'instant. On est... normalement à une minute de jeu. Bon, sinon ça va bien vous? Noël se prépare tranquillement. Non, je vais pas vous demander non plus vos listes de cadeaux hein, dans les commentaires du chat YouTube. Voilà, 1 minute 01. C'est aussi ce que j'ai chez moi. Enfin, chez moi, je parle pas de chez moi à la maison. Je parle évidemment au poste de commentateur. Et le score est bon, 10-15. On va pouvoir repartir dans cette rencontre. Allez, c'est bon, c'est reparti. Avec les Cristoliens pardon, qui vont pouvoir amorcer une offensive. Ah, dommage, hein, la passe. Un ballon perdu par Créteil. Ça fait mal à la tête hein, aux têtes cristoliennes, ces balles perdues. C'était la 7e de la soirée. Et une occasion de plus 6, attention les arbitres ont le bras levé. Ouais, la belle passe au pivot. Il a tenté. Pierre Paturel qui n'a pas trouvé le cadre.
Oh, c'est bien joué ça. Joli mouvement collectif. Très bien conclu par Johan Giblin. Valentin Hamann, pardon. Valentin Hamann qui ouvre son compteur hein, ce soir avec son premier but de la soirée sur sa première tentative aussi. Le pivot de 29 ans. Encore un bras levé. Oh. On a signalé une faute hein, du côté des arbitres. On a vu les Cristoliens se jeter sur les arbitres de la rencontre. Il semble bien y avoir faute en faveur des Chambériens. Avec Benjamin Richert. Ouais. C'est le nom. 3 sur 3 pour lui au penalty. Alors que Mickaël Robin avait fait son entrée dans le but cristolien. Une jolie passe et derrière Nicolas Portner. Incroyable. Quel match hein. Celui-là n'était pas simple hein, sur cette belle tentative de Valentin Hamann. Voici la faute offensive est sifflée. Une occasion de plus 6 encore une fois pour Chambéry. Peut-être avec Trita. Oh, c'est bien joué! Ah, la passe était sublime hein. D'Alexandre Trita. Il avait bien trouvé son ailier. Et Trita qui a pris ce shoot lui-même et qui a bien trompé Dylan Soyer. Encore une fois, il est vif, il est précis, il en a 7 ce soir, Boyba Sissoko. Défense chambérienne, change Sissoko et ça y allait vite. Ah, ils ont pas été assez attentifs sur ce coup les Chambériens. On a vu Pierre Paturel râler. Ouais, un joueur comme ça, on lui laisse aucun espace.
petit manque d'attention, mais Chambéry garde un bel avantage de 4 buts. Costoya, attention la perte de balle. La faute de Keïdo Traoré. Et peut-être l'occasion de revenir à 3 buts pour Créteil. Ah, il y avait une belle passe hein, là de Molinier. Pour Valentin Adam. Aman, pardon. Bon, si c'est au cours. Il y avait encore une magnifique passe hein, sur Aman là, de Sissoko. Et Julien Meyer fait son entrée dans les cages chambériennes pour ce jet de 7 mètres. Sur 4 pour Sissoko au pénalty. Il surnage hein, clairement ce soir dans cet effectif cristolien. C'est simple, hein, 9 des 14 buts de Créteil ont été inscrits par Boyba Sissoko. Il va sortir pendant 2 minutes. Valentin Aman suite à cette faute sur Alexandre Trita. En infériorité numérique. Et une belle offensive conclue sur l'aile droite pour Chambéry. Avec ce nouveau but de Richert. Qui réussit une très bonne performance hein, pour son retour à Créteil ce soir. 89%, 8 sur 9 pour lui. 8 buts inscrits par le numéro 8, Chambérien. Et attention, une nouvelle fois la manœuvre. C'est son 9e ce soir. Créteil qui est allé à 6. Et qui retourne à 6 avec le but vide. Alors cette fois-ci, ouais,
On va revenir à la faute sur Jonas Poignant. C'est bon pour Créteil. Robin Molinier qui inscrit son troisième but de la soirée, son 28e de la saison. Ancien joueur de Saint-Raphaël, Chartres notamment. Ouais, cette fois-ci aussi, hein, Costoya qui est allé tout seul pour tromper Dylan Soyer. Molinier qui a buté sur Portner. De Soyer est superbe. Mais on peut aussi parler du shoot de Costoya qui était très puissant. Alors que Créteil revient un petit peu dans ce match. On a vu le but à l'instant. Antoine Ferrandier qui en est à sa 7e saison parmi l'élite avec Créteil, ici depuis 2011. Il y a eu aussi le passage en Pro League où il est resté au club formé à Créteil. Ferrandier et Sissoko. Un temps mort. Un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin de la rencontre. Créteil qui a conservé tout simplement le même retard qu'à la mi-temps. Je vous rappelle qu'il y avait un score de 10 à 14. Créteil qui résiste bien, qui pourrait même revenir dans cette partie. Évidemment grâce à l'inévitable Boyba Sissoko et puis Robin Molinier aussi qui semble prendre les choses en main là dans cette seconde période. Attention au relâchement pour Chambéry qui gère son match mais qui n'est pas à l'abri d'un retour cristolien et un petit tour aussi dans les commentaires sur le chat YouTube avec Mikout s'ils sont chauds les gardiens ce soir. Et oui, je confirme, Portner 52% avec 15 arrêts sur 29. Dylan Soyer aussi, hein, le gardien cristolien, fait une belle rencontre avec 35%, 9 arrêts sur 26.
Allez, c'est reparti, un quart d'heure à jouer donc pour cette rencontre. Match en retard de la sixième journée de Lidl Star League avec peut-être Sissoko qui avait tenté la passe sur Valentin Mann. Et encore Robin Molinier qui est allé seul en puissance et qui n'a malheureusement pour Créteil pas trouvé le cadre. Trita. Très bien joué hein, par Alexandre Trita. 4 pour lui aujourd'hui. Ça lui fait 22 buts en tout dans la saison pour le numéro 4 chambérien. Tourner là sur cette belle passe de Molinier. C'était Lucas Ferrandi à la manœuvre. Et il s'est aussi un petit peu fait mal. Ce strap, pas sûr qu'on le revoie d'ici à la fin de la rencontre. Lucas Ferrandi, on va prendre son lit sur le banc cristolien. Et l'entrée de Julien Meyer, une nouvelle fois dans les cages chambériennes. Lui qui n'avait pas arrêté son premier pénalty subi. Peut-être le deuxième face à Sissoko. Et non, encore une fois, Boyba Sissoko qui ne les manque pas. 5 sur 5. La jolie passe, c'est dommage. C'était bien joué avec Lars Nielsen qui avait été trouvé au pivot. Ouais, attention, hein, Créteil peut revenir dans cette rencontre. L'occasion de revenir à 3 buts d'écart. Superbe cette passe de Molinier qui a bien trouvé Valentin Mann. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura du suspense hein, pour cette fin de rencontre. Rien n'est joué.
cette fois-ci c'est bon pour Chambéry qui reprend ses 4 buts d'avance. Ça va être quand même difficile hein, de bouger cette équipe savoyarde pour les Cristoliens. Ouais, celui-là, il est superbe. Il ne doit rien à personne, hein, Boyba Sissoko encore une fois. La faute subie par Alexandre Trita. Est-ce que Créteil peut revenir dans cette rencontre? C'est le débat qui est actuellement dans les commentaires sur le chat YouTube. Bah, donnez-nous votre avis. Et dites-nous aussi, les supporters cristoliens, si vous pensez que votre équipe peut refaire son retard, pourquoi pas égaliser et même remporter cette rencontre. Et voilà, là, il faut aussi une belle parade de son gardien, Michael Robin, qui s'est illustré. Alors attention aussi à Benjamin Richert qui est au sol. Alors j'ai pas vu l'action sur laquelle il s'est fait mal. Ah, visiblement c'est un coup de coude de Sissoko qui sort pendant 2 minutes. Ça fait mal à son équipe ça parce que c'est vraiment... le joueur le plus important à Créteil ce soir. On va le revoir là. Ouais, il a pris ce coup de coude. Certainement involontaire hein, pour Boyba Sissoko. Mais il a mal, hein, Benjamin Richert là. Il est toujours au sol. C'est aussi un petit peu mal retombé. Est-ce que ça veut dire fin de rencontre pour Benjamin Richert? On espère évidemment pas pour lui et pour les Chambériens. Il va se relever, on va surveiller son état de forme. Ouais, y a les deux, il y a vraiment le coup de coude et puis la retombée. Qui a fait forcément mal au numéro 8 chambérien. Et donc c'est reparti avec Créteil en infériorité numérique. On y va à 6 pour les Cristoliens. De toute façon, il faut tenter. On l'a bien vu, hein, Lucas Ferrandier boité tout à l'heure. Et ben, une nouvelle fois, c'est le cas. Il va encore sortir du terrain.
Ah, bonne défense de Chambéry. Sur Romain Molinier. Kylian Rigaud. Encore une fois. Kédou Traoré. C'est pas passé pour Johan Giblin. Jean-Louis Faustin avec Tritard. Faustin. Qui va de son troisième but de la rencontre, Jean-Louis Faustin. Il avait réussi un 5 sur 5 contre son ancien club Montpellier, la dernière rencontre de Chambéry. Et Antoine Tissot, lui aussi, a réussi à tromper. Mickaël Robin. Ça a commencé à faire un petit peu lourd pour que les Cristoliens espèrent revenir dans la partie. Avec ce plus 5 là pour Chambéry. Faustin qui y va. La grosse défense là de Johan Giblin. Oh, et la belle passe. Oh, il s'était bien retourné. Lars Nielsen. Et la parade là de Mickaël Robin. Qui fait du bien pour Créteil, qui dans la foulée marque aussi ce but avec Robin Molinier. De toute façon, si c'est pas Sissoko ce soir, c'est Molinier pour Créteil. Ils ont marqué 15 des 20 buts de leur équipe à eux deux. Jean-Louis Faustin qui avait réussi à prendre à contre-pied Mickaël Robin. Mais on est revenu à la faute. Et le retour de Sissoko qui va faire du bien à Créteil à un petit peu moins de 6 minutes de la fin de la rencontre. Défense là de Jean-Louis Faustin. Mais la balle reste pour Créteil. Et quelle action! Il a bien été trouvé au pivot, Valentin Mann. 21-24 donc dans cette rencontre. Créteil qui y croit encore évidemment. Ça va se jouer dans la tête. C'est vrai que la sortie de Sissoko leur a pas fait si mal que ça finalement. Ils ont réussi à bien gérer leur infériorité numérique.
Les Cristoliens encore dans le coup face à les Chambériens qui vont devoir être attentifs. Et d'ailleurs, hein, sur les statistiques, une nouvelle fois, Créteil est en tête au niveau de tentatives avec 44 tirs. Moins de réussite, 41 tirs pour Chambéry. Il y a eu beaucoup de tirs un petit peu forcés hein, pour Créteil ou de tirs facilement arrêtés par les gardiens chambériens, dont l'excellent Nicolas Portner. Allez, Chambéry en attaque à 5 minutes 10 de la fin de la rencontre. Elle est importante cette balle pour les têtes chambériennes. Pour ne pas laisser Créteil espérer et leur faire un petit peu mal alors qu'ils sont sur la phase ascendante. Trita qui a tenté de trouver la Pierre Paturel. Oh, alors celui-là il est magnifique. Tout en puissance là. Avec ce but de Goni. Son premier de la soirée. Qui a eu un petit peu de mal à passer son ballon. Bien joué ça aussi hein, pour Felipe Borges. Ans pour l'ailier gauche brésilien, numéro 28 de cette équipe de Créteil. Trita qui n'a pas trouvé le cadre et l'occasion de revenir à deux buts d'écart pour Créteil avec Sissoko peut-être. Sissoko ou Molinier ou Borges. Oh, ce sera pour Valentin Mann qui a buté sur Nicolas Portner. Qu'il est important cet arrêt pour le gardien suisse de Chambéry. C'est pas fini avec Molinier cette fois-ci qui a trompé Nicolas Portner. Ou le suspense de la fin de la rencontre. Attention, c'est souvent des matchs nuls hein, qui se passent ici au Palais des Sports Robert Houbron de Créteil entre ces deux équipes. Je vous rappelle, invaincu depuis 2009 face à Chambéry, les Cristoliens. Chambéry en tête à 2 minutes de la fin de la rencontre. C'est au-dessus. Jean-Loup Faustin qui n'avait pas attrapé le cadre. Mais les arbitres ont sifflé la faute. Oh, c'est dommage, j'avais une belle passe là, une belle passe. Mais la défense de Créteil a été attentive. Et c'est dommage aussi pour les Cristoliens que dans la foulée, la passe n'ait pas été ajustée pour cette contre-attaque qui était importantissime. Flash Eyes, Portner épouse-moi. Je pense que c'est en référence à l'arrêt qu'a réalisé Nicolas juste avant,
qui était effectivement hyper important pour les supporters chambériens. Otrita ! Et la belle parade là pour Mickaël Robin. Et attention à Sissoko qui va trouver Valentin Hamann qui ramène Créteil à un but. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Évidemment, reste avec nous à la fin de la rencontre, on aura les interviews. On l'entendra, un joueur de chaque côté. Un Cristolien, un Chambérien, certainement les capitaines de cette rencontre. Ce sera juste après le verdict de cette rencontre, de ce match de la sixième journée de Lidl Star League, match en retard, qui nous offre un suspense dingue sur ces 27 dernières secondes. Créteil est dans le coup, Chambéry pourrait s'en mordre les doigts, de laisser passer cette victoire qui semblait leur tendre les bras. Une victoire ici qui les fuit depuis 11 ans. Et je salue d'avance le community manager de Créteil qui sur Twitter ne va pas manquer de souligner la statistique. Avec l'invincibilité des Cristoliens. Il y avait une petite bataille d'ailleurs entre les comptes Twitter des deux clubs. Bataille amicale évidemment. Allez, Chambéry peut-être avec cette balle ultra importante à ne surtout pas manquer pour les Savoyards. Oh, attention! Attention, ça va! Ouais, j'ai cru que c'était à 2 secondes de la fin qu'on avait un souci de chrono. Mais non, c'est bien un temps mort là qui a été posé. Pour les ultimes secondes de cette rencontre. Alors attention, est-ce que vous y croyez les supporters cristoliens? Est-ce que vous pensez votre équipe capable d'égaliser à 25 partout dans cette rencontre? Et les Chambériens, est-ce que vous êtes confiants? Est-ce que vous pensez que c'est bon, ça va le faire quand même pour Chambéry? Le verdict dans quelques secondes ici à Créteil, en direct sur la NHTV avant les interviews d'après-match. Mickaël Robin là avec la balle dans les mains. Quelle va être la solution trouvée par les Cristoliens? Alors que ça discute là hein, sur le bord du terrain. Avec le capitaine de Créteil. Il y aura 2 minutes pour Jean-Loup Faustin. Bon, évidemment, on ne sait pas ce qui se dit hein, sur le bord terrain là, avec les arbitres de la rencontre, le délégué. On voit que ça s'est un petit peu chauffé entre les deux bancs. Avec notamment Pintor qui était debout. Qui semblait diriger ses propos vers le banc chambérien.
Monsieur Benoît Rand en pleine discussion avant la reprise de cette rencontre pour les deux dernières secondes avec Créteil qui va avoir l'occasion certainement d'égaliser, même si ce sera très compliqué. Allez, Michael Robin qui va chercher un coéquipier. Et non, la balle interceptée par Pierre Paturel qui permet à son équipe de mettre enfin fin à cette série incroyable de 11 ans sans victoire ici à Créteil pour Chambéry. Et ce soir, c'est donc fait pour les Savoyards qui s'imposent sur ce score de 25 à 24, même si effectivement on a cru à un retour cristolien dans les dernières minutes, même les toutes dernières secondes de cette rencontre. C'était chaud. Créteil a failli faire son retour. Mais Chambéry a tenu bon. Restez avec nous, je vous le disais, hein, les interviews d'après-match dans quelques secondes ici au Palais des Sports Robert Houbron pour cette rencontre qu'on a pris du plaisir à suivre avec ce suspense évidemment. Et on va aussi saluer l'incroyable performance de Boyba Sissoko qui a réalisé un beau 79% avec 11 buts sur 14 tirs. On l'entendra certainement, le capitaine cristolien. Et puis on met en avant pour Chambéry la très bonne performance de Benjamin Richert avec ses 9 buts. 9 sur 10 hein, pour l'Alsacien. Et le gardien, Nicolas Portner pour Chambéry. 46% ce soir au final. Avec 18 arrêts sur 39. On l'a énormément vu en première mi-temps, un petit peu moins en seconde, c'est vrai. Allez, les interviews arrivent là dans quelques secondes. On est avec Nicolas Portner. On vous imagine très heureux de cette victoire. Ça a été un peu compliqué, un peu haché comme match, mais l'important c'est les deux points. Cet adage, là, il vaut bien ce soir. Oui, bien sûr. Surtout que c'est un match extérieur. On sait que jouer ici, peu importe. Dans quelle constellation Créteil joue, ils sont toujours très très performants à domicile, donc on savait que c'était un match compliqué. On est venu pour gagner, on l'a fait. Malheureusement, on se complique le match à maintes reprises durant toutes les 60 minutes. Je pense qu'il faut le plier bien avant, mais voilà, on prend les deux points et on est très 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 heureux ce soir. Imaginez le doublé francilien parce que vous recevez Ivry aussi, ça c'est un match aussi important. Bien sûr que c'est un match important, je veux dire, on joue à domicile, j'espère qu'on va garder cette énergie positive qu'on a depuis 4 semaines à peu près, et ouais, une victoire impérative face à Ivry. Et après Nicolas Portner, on retrouve Michael Robin. Avec Nicolas, c'était un match à gagner, c'était un match haché. Mais voilà, c'est Chambéry qui l'emporte d'un but. Quel sentiment à la fin de ce match du coup de perdre juste d'un but? Bah oui, on meurt un but, ouais, c'est rageant. Je pense que Chambéry a très bien joué à l'expérience. Sans être brillant, ils ont su gérer les temps faibles un peu mieux que nous. Nous, c'était beaucoup, beaucoup mieux dans l'engagement et dans beaucoup de choses. Maintenant, c'était pas encore suffisant pour gagner aujourd'hui. Chambéry aujourd'hui est au complet, leur rotation leur a beaucoup apporté. Nous, on a quand même beaucoup de blessés, on en perd encore Lucas Ferrandier ce soir. Ils ont peut-être eu un petit peu plus de fraîcheur aussi, mais moi j'ai surtout senti beaucoup d'expérience de leur part sur leur dernier ballon. On sent que tu as envie de retenir le positif. C'est vrai que c'était un autre état d'esprit là par rapport au dernier match de Créteil. Ouais, carrément. Pourtant, je suis toujours très critique, mais là, clairement, dans le combat, on y était. Donc, pour moi, c'est tellement important, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, donc j'ai envie de retenir ça ce soir.
Oui, c'est sûr. Ce match, on aurait pu le cocher quand on voit le classement et les résultats de Chambéry. Malgré tout, on sait très bien que c'est une équipe de qualité. Une nouvelle fois, avec tous les joueurs qu'ils ont récupérés, aujourd'hui, ils avaient vraiment une belle équipe sur le papier. Maintenant, c'est de bon augure pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on joue Tremblay-Évry. Voilà, on a un match de travail contre Montpellier en fin de semaine, mais voilà, au moins, on va essayer de partir sur une belle dynamique pour la semaine prochaine. Voilà donc pour les interviews d'après-match ici à Créteil. On a entendu à l'instant Michael Robin, le portier cristolien. Et vous avez également entendu Nicolas Portner, le chambérien. Chambéry qui s'impose donc finalement 25-24 ici à Créteil. Puis au classement, c'est une bonne opération pour les Savoyards qui remontent à la 9e place de Lidl Star League à égalité avec Toulouse, avec 8 points au total donc pour Chambéry. Et de son côté, Créteil va rester à la 14e place, seul un point devant Ivry qui est 15e. Merci à tous de nous avoir suivis donc, dans cette rencontre de Lidl Star League ici sur LNH TV pour ce match et qui voit donc les Chambériens s'imposer 25-24 à Créteil. On vous souhaite un bon mardi soir et à très vite. Vive le handball, salut. Cœur du handball français avec Lidl.